un petit déplacement, on va chasser. Croiser pour aller chercher une roue numérique économique cette fois-ci, c'est-à-dire défoncante. D'accord ? Si je frappe ici, j'ai pas ma place. Donc il faut que je me rapproche de lui. Donc comment je fais ? Je me centre le pied droit. Et au derrière, je croise au fait du poil, justement. Je libère la roue. Petit pas chassé, on croise. L'idée, c'est vraiment d'aller le transpercer. Okay ? Je le récupère par la manche et je plonge dans ses jambes, à genoux. Je tire pour le charger sur la ligne de peau, tête de bien faire passer par le genou. Je tourne, je viens frapper le point marteau au visage à la fin. Je fais ma réification du dos là. Il est à distance, mettez-vous à distance, ça c'est un petit déplacement qui est hyper important. Croisez. Vous avez la distance qu'il y a à parcourir. Donc, plutôt que d'aller vers lui, frapper. On choisit d'aller emmagasiner de l'élan avec un petit déplacement spécial, pas chassé. Je récupère en plongeant dans les jambes, je cherche sur la ligne d'épaule, je vais passer par-dessus, boum, katagoma à genoux. Juste pour la projection, il a été percuté au bas-ventre, il est plié en deux. Je récupère la manche, je tire sur la manche pour le maintenir en déséquilibre avant, en même temps que je plonge dans ses jambes. Je suis perpendiculaire par rapport à lui. On appuie sur mes orteils. Dos droit guéré. Je ne me laisse pas écraser par son poids. Je tire pour l'amener sur la ligne d'épaule. La main droite va venir pousser ses jambes pour donner du levier vers le ciel. C'est la rondeur. Frappe en main. Allez, c'est parti. Katagoma.